Avant que la vidéo ne commence, là je tourne ça à l'arrache, hein, je vous dis, mais avant que la vidéo commence, petite annonce, j'avais oublié de le dire dans la vidéo, donc je le dis là. Jeudi prochain, le 30, à 11h55, midi moins 5, quoi, il y aura un live pour le tirage au sort de la Ligue des Champions. Voilà, je vous laisse avec la vidéo maintenant. Et salut tout le monde, c'est pour ça que je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Alors oui, ça fait très longtemps, plus d'un mois, que je n'ai pas fait de vidéo. Je m'excuse vraiment. En fait, bah pour la finale, j'étais en vacances et quand je suis rentrée de vacances, c'était, je crois, un petit peu moins d'une semaine avant la reprise des championnats, ben, de la Ligue 1 en tout cas. Et puis, j'avais pas spécialement envie de refaire, par exemple, quelque chose sur la Coupe du Monde après. Puis, j'ai pas d'idée. Mais là, je me suis dit, on va retourner sur FIFA, les amis. Je vais lancer une série pour toute la saison. Je vais essayer de m'y tenir. C'est tout simplement, on va faire le parcours des clubs français en Coupe d'Europe. On va donc commencer avec Bordeaux qui va jouer ses barrages face à la Gantoise. Bah, c'est normalement aujourd'hui au moment où je publie cette vidéo. Et je vais faire ça donc avec les 6 clubs français. Mais je vais tenir compte de mes résultats. Par exemple, si Bordeaux se qualifie et que moi j'ai perdu, bah, je ne ferai pas du coup Bordeaux en phase de poule puisque moi j'aurais pas perdu. Par contre, j'essaierai de faire les vraies poules. Et je mettrai normalement la vidéo le jour même normalement du match du club. Et si par exemple Bordeaux IRL se fait éliminer par la Gantoise mais que moi je me qualifie, et bah je ferai Bordeaux en phase de poule et je les mettrai donc à la place de la Gantoise IRL. Voilà, 2 minutes d'explication. On peut maintenant démarrer la vidéo donc sur ce match, la Gantoise Bordeaux barrage aller. Enfin, c'est parti donc. La Gantoise face aux Girondins de Bordeaux, barrage aller de l'UEFA Europa League. Je joue très rarement, voire quasiment jamais, hein, avec les Girondins de Bordeaux sur FIFA. Je me suis entraînée à jouer avec les autres clubs français, les 5 autres, mais Bordeaux moins. Les 5 autres clubs qui vont être engagés en Coupe d'Europe, donc Paris, Monaco, Lyon, Marseille, Rennes. Premier arrêt de Benoît Costil. Oh là 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 là. Oh, je suis mauvais dans mes relances. Mais bon, dans mes récupérations de balles, ça va. Allez, Camano, allez, Camano, allez. Oh là 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 là. François Camano. Il domine hein, largement hein, dès ce début de match. C'est que la 8e minute, je me fais déjà archi dominer. Mais bon. Oh non, il est hors jeu. Braithwaite, je crois qu'il est hors jeu. Et ouais, non, de toute façon, il y avait Poto. Oh, oh, la récupération de Camano. Sans carré. Non, Braithwaite, t'es encore hors jeu. Deux fois. Deux fois en peu de temps. Là, il y a quelque chose. Là, il y a quelque chose à. Oh, Koundé. Oh là 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 là. Mais je suis mauvais. Je vous le dis, hein, je suis extrêmement nul à FIFA. Les deux premières vidéos de FIFA que vous avez vues, je jouais pas parce que je voulais pas exposer ma nullité. Voilà. Désolé les Girondins. Quelle idée de faire sortir Costil. Je me demande qui tient les manettes quand même. Ouf. Allez. Allez, je peux partir en. Non, il n'y a personne pour partir en compte. Je suis obligée de temporiser. Comme ça. Hop. Hop. Allez, allez. Non, 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 non! Là, il y a un rouge. Là, il y a un rouge. Il y a 1000 fois rouge. Il y a 1000 fois rouge. Il n'y a pas de carton.
Ah, ça me dérange. Là, je sais pas. Je me suis agacée. Oui, j'ai sorti. Le mot agacé. Et là, ça commence quand même à m'énerver. Allez. C'était à plonger du haut que tu donnes. Allez. T'es pas en jeu là? Ah non, t'es pas Braithwaite. Oh oui! Oh oui, Braithwaite! Oh oui, Braithwaite! Allez, Braithwaite! Allez, Braithwaite! Oh oui! Légalisation de Martin Braithwaite! C'est bien ça. Bien. Je joue ma vie quand je joue à FIFA. Je vous promets. Et quand je joue à FIFA devant des gens, je joue encore plus ma vie parce que je sais que je suis nul, mais j'ai envie que les gens pensent que je suis pas si nul que ça. Alors que je suis mauvais. Je suis quand même content parce que je fais un partout à la gantoise. De toute façon, à la fin de la saison, on fera les bilans. Les 6 clubs où ils se sont arrêtés, où ils se sont fait éliminer, et moi où je me suis fait éliminer. Oh non. L'équipe qui prend l'avantage dans ce match, c'est vraiment mérité. Au vu de ce qu'on voit depuis le début de la rencontre. Ouais, c'est la plus entreprenante des deux équipes. Celle qui cherche, celle qui tente, qui mène au score et c'est normal. Ouf, ouais, là je l'ai complètement taclé et il va revenir à la faute parce qu'il y a carton jaune. Y'a rien! Oh, ça donne un coup franc intéressant. Ah, j'ai carrément blessé! Ça donne un coup. Il faut que je réégalise. Allez, il faut oui. Oh oui. Alors ça. Oh non. Oh non. Oh, mais tu es moi. Allez, allez, oh là 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 là. Ah, la bonne qualité de ces passes. Ah, ça c'est la récupération. Allez. Ah, ça ferait 2-1 à l'extérieur. Si je gagne 1-0 à domicile au match retour, ce sera bon. D'ailleurs, je crois que je vais enchaîner le match retour juste après. Mais vous, vous l'aurez que la semaine prochaine. On reprend directement donc deuxième mi-temps, je perds 2-1. Je me mets en... Oh non, j'étais déjà en offensif. Allez, là tu relances. Direct. Voilà, on va faire comme ça, hein. C'est plus prudent. Oh oui. Oh oui, Braithwaite. Oh mais... Je suis obligé d'y aller tout seul, ou de temporiser. J'ai loupé le ballon. Oh mais non, mais d'où il revient à la faute 15 ans après? Première fois que je vois ça. Peut-être l'amorce d'une contre-attaque, on va voir.
Oui. Oh oui, oh ça oui. Oh légalisation, oui. Oh c'est mérité ça. Mérité. Parce que c'est mérité qui a marqué. Moi je dis c'est mérité. Voilà. Je m'en équilibrerai. Je vais pas trop pousser non plus parce que 2-2 à l'extérieur c'est déjà bien. Sachant qu'il y a un match retour. Mais du coup là la Gantoise ils vont pousser. Mais après je vais pas me priver. Si j'ai occasion d'essayer de. Si j'ai occasion de marquer un troisième, je vais attaquer. Hein. Mais je vais pas me découvrir pour prendre trop de risques. Est-ce que je préfère faire 2-2 que tenter de gagner 3-2 pour perdre 3-2? Comme il y a un match retour et que du coup, avec les buts à l'extérieur, c'est plus avantageux pour moi que pour eux. J'en ai marre d'être mauvais. Là par exemple je vais temporiser, je vais pas me découvrir. Ah je sais pas ça que je voulais faire. Oh oui. Oh Bressois il était pas en jeu. Hop. Oh non. J'aurais dû la mettre en hauteur. J'abuse avec le bouton Y. Je ne me sers que du bouton Y. La pire perte de balle de l'histoire. Forcément c'est bon. Il n'y a pas pire que moi sur FIFA. Si j'arrive à battre quelqu'un, si je bats quelqu'un sur FIFA, il part en dépression. Parce que plus nul que moi, c'est compliqué. Je vous le dis. Il a cherché le point de pénalty sur ce corner. Allez, loin devant. Il est sur la trajectoire. Il a du soutien. Ah, la défense va être sauvée car il y a un hors-jeu. En fait, je vais garder le ballon. Je vais faire des petites passes tranquilles, comme ça. Hop. Mais pas trop près de mon camp non plus parce que minutes, si je perds la balle dans mon camp, il y a but direct. Donc hop, j'essaie de m'avancer. Mais sans me découvrir, je vais faire des passes courtes. Oh, Tommy là, il va sortir un carton. Ah oui, il l'a fait. Bon. Je vais sortir Pablo. Faire rentrer Paul Bass. Peut-être donc sa place après une très belle prestation. Il remercie d'ailleurs ses supporters au moment de quitter le terrain. C'est bien ce qu'il a fait dans ce match. Mérité. Oh, il s'est fait dépasser le ballon au tout dernier moment. Hop. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Voilà, hop. En plus ça sort plus haut, c'est bien. Par contre là si je mets un troisième juste avant la fin. Ah non, pas que je me prends le troisième. Ce sera de très mauvaise augure pour le match retour. Ah non non non. Oh oui, Benoît Costil. Oh la parade de Benoît Costil. Allez. C'est bien ça. Là je dégage et c'est fini. Voilà. Victoire. Non. Match nul. Match nul. Match nul. Donc, 2 buts partout entre la Gantoise et Bordeaux. Donc, c'est la fin de cette vidéo. Barrage aller de Ligue Europa, la Gantoise-Bordeaux. 2 partout, donc. Suite la semaine prochaine, donc, pour le match retour. Je vous donne rendez-vous jeudi prochain. Et moi, je vous dis salut à tous. Bye! Et salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo.